Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you. Salut tout le monde! Donc, en ce moment, on est au CLSC. Jaden vient juste d'avoir ses vaccins de 2 mois. Fait que c'est un genre de liquide dans la bouche, puis 2 vaccins dans ses cuisses. Puis il a pleuré. Ben, il a pas pleuré beaucoup, là. Mais ça faisait de la peine. Puis là, c'est ça, moi j'ai décidé de l'allaiter tout de suite après. Donc, il y a une halle d'allaitement dans le CLSC, mais là, on est comme une salle d'allaitement. Fait que je suis dans une grosse chaise. Parce que, ben, c'est ça, elle était libre. Fait que c'est vraiment confortable. Une grosse chaise, genre avec les jambes qui sortent. Fait que là, il est tout calme. Anthony, moi j'ai pas regardé l'aiguille, là, je le tenais. Mais Anthony dit. C'est une grosse aiguille qui est rentrée dans toute ta jambe. Ouais, ça fait de la peine. J'aime pas savoir ses petits yeux tristes, mais là il va bien. Pour vrai, il a pas pleuré beaucoup. Donc là, qu'est-ce qu'on s'en va faire? On va aller au Costco. On va faire l'épicerie. Puis Anthony nous a fait un menu de la semaine. Ben pas un menu, mais comme exactement qu'est-ce qu'on mange, mais comme. Okay. Ouais. Fait que, comme certains jours, mettons, t'as dit quoi, dimanche, poisson, lundi? Non. Ben, c'est un exemple. Un exemple. Dans le fond, c'est poisson, poulet, puis porc. Non. Ben, c'est quoi? Poisson, poulet et viande. Ça peut être du porc. Poisson, poulet et viande. Très différent de poisson, poulet et porc. En tout cas, quoi? Du bœuf? Ouais, ouais, porc ou bœuf. Donc, dans le fond, c'est qu'on va manger du poisson 2 fois par semaine, du poulet 2 fois. La viande 2 fois, puis une fois les pâtes. Donc c'est ça, fait qu'on va aller acheter des choses tantôt. Enfin, après que je l'ai allaité. Puis c'est pas mal ça. Maintenant, je suis dans le parking du Family Prix Extra. Ouais. Première fois que je vois ça. Donc, on a été au Costco, on a fait quand même une grosse épicerie. Ben, une grosse. Ouais. On a fait une grosse épicerie, là. Donc voilà, je vais vous montrer ça en arrivant à la maison. Puis là, on vient d'arrêter au IGA parce qu'il y a certaines choses qu'on voulait acheter là. Puis Jaden, vraiment, ça a bien été là. Parce que je savais pas, là, c'est ses premiers vaccins. Mais depuis tantôt, là, il est réveillé depuis tantôt. Là, je pense qu'il va commencer peut-être à avoir bientôt soif là. Parce que, ouais, je pense qu'il va commencer bientôt à avoir soif. Alors, c'est ça, on arrive, on est proche de la maison de toute façon. Là. On a arrêté au Tim Hortons. J'ai une limonade glacée à la framboise. Puis, ok, hier, j'ai reçu une commande. Là, c'est un chandail que j'ai reçu là, d'un site qui m'avait contacté. Okay, puis, c'est un site asiatique. Puis, souvent, le monde disait que les vêtements c'était fait petit, puis tout. Fait que j'ai pris comme extra large, je pense que j'étais comme bon, ça va être super petit. Ok, le chandail est énorme, énorme. Bon, notre chandail, ok, je peux même pas, genre, je pourrais même pas le mettre là. Genre, le décolleté va genre là, là. Genre, tu vois toutes les seins, là. C'est ridicule. Puis la robe, elle est correcte là. Mais c'est fou, mais en tout cas, j'ai mis le chandail aujourd'hui. Je trouve ça drôle parce qu'on voit. On voit le tatou dans le chandail, mais je l'aime là, il est super confortable puis il est de bonne qualité, mais avoir su, j'aurais pas pris extra large. En tout cas, ok, oh, petit loup. Quand je mets tout le temps une couverture comme ça là, sur son banc, tu sais, pour pas qu'il y ait du soleil. Mais il était tombé à cause du vent. Quoi t'as acheté, c'est du tempra, parce qu'on n'avait pas de tempra, puis tu sais, si il fait de la fièvre. Fait que je vais vous montrer l'épicerie qu'on a faite. On a acheté des tortillas, des avocats, donc tout ça ce que je vous montre en premier sur Costco, hein. Des bananes, des piments, ben des poivrons. Ici c'est 4 paquets, c'est des pâtes aux œufs là dans le fond, donc il y en a 4. Ici c'est, ok, on en a acheté 2, dans le fond c'est des longes de porc là, sont vraiment énormes. En fait parce qu'il y a un barbecue dans la famille Anthony ce mois-ci, puis dans le fond tout le monde emporte quelque chose, puis nous on va emporter ça. Fait qu'on en a acheté 2, donc un pour le barbecue puis un pour nous. Puis Anthony dans le fond il va les couper en morceaux déjà, puis il va congeler, donc voilà.
On a acheté des concombres, ils étaient en rabais à 1,99 ou 1 quelque chose là, pour 3 au Costco. On a, acheté 6. On a acheté de la dinde hachée. Donc ce soir, on va manger des tacos de dinde hachée. Donc ça vient en 4 paquets. De la morue au poivre et au citron. Donc ça. On a acheté de la sauce déjà faite, celle-là elle est bonne, produit de nos grands-mères, sauce à la viande, donc c'est ici. Le magazine 3 fois par jour que j'ai acheté. Le maïs soufflé Chicago Mix, c'est tellement bon qu'on n'avait pas le choix. J'achète de temps en temps parce que ouais, c'est ça, c'est bon mais c'est pas bon. Mais c'est genre la deuxième fois. On passe à travers. Ouais, fait que, mais c'est juste la deuxième fois qu'on l'achète. Des patates, ça c'était au IGA. Pourquoi on dirait qu'on commence, on peut plus s'arrêter? Ouais, mais tout le monde dit ça de ces mélanges-là. Les mangues, ça, c'est maintenant ça va être un incontournable. Je pense qu'on va en acheter à chaque fois, là, au Costco. Fait que ça, IGA, ouais. Les patates, ça, c'est la coriandre. Moi, je suis difficile sur les mangues et j'en trouve quasiment ailleurs de bonnes. Ouais, quasiment jamais des bonnes. Ça, c'est la coriandre. Fait que des asperges, des oignons, du fromage, du melon d'eau, des zucchini. C'est des courgettes. Courgettes. Deux ensembles à tacos, un ensemble à fajitas, parce qu'on va manger ça dans le fond avec les... Il va couper des morceaux, des languettes de porc. Mais pas aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est les tacos avec la viande hachée. La dinde hachée. Bon, ça, c'était au Costco. Tomate ici. Et sorbet, dans le fond, qui sont dans une comme la noix de coco, tout ça. Dans un fruit. Ah, ça va, ça a l'air bon. Anthony, ton le gazon. J'allais être bébé Jaden. C'est vraiment le fun à l'été dehors. Tu sais, j'ai le gros parasol, fait qu'on est à l'ombre. Puis on a muffin sur le balcon avec nous. Fait que... Ça fait du bien l'été dehors, là. Ça fait différent d'être en dedans. Puis, tu sais, on n'a pas de soleil, puis il y a quand même un petit vent, là. C'est... On est confortable. On a muffin le pug ici, qui est intrigué. Elle est drôle. Elle aime ça être dehors. Muffin? Muffin! Regardez-la! Allô, la belle Muffin? Oh, non, non. Regardez-la, elle se courait après la queue. Ah oui, elle a fait le caca, faut que je ramasse. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, ma petite poguette? Regardez sa face de bébé tout plein. Tout plein de lait, mon amour. Il dort. Oh, je l'aime. Bon, regardez, Muffin, elle s'amuse à boire. Il y en a beaucoup, hein? Regardez, elle lève sa tête en plus. Je sais pas qu'on lui donne pas d'eau en passant. Non, non, c'est juste que... Elle aime ça boire l'eau ailleurs que dans son plat. C'est un pug, alors il aime ça faire n'importe quoi. Allô, les beaux bébés? Ah oui! Ah! Ah oui! Ça va mon petit bébé? Ah oui! Tu veux sourire? Tu veux des beaux sourires à maman? Tu veux-tu des beaux sourires à maman? Oh! Fais-tu des beaux sourires à maman? Tu veux-tu des beaux sourires à maman? Oui! Oh! Oh oui! Oh! 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 Oui! Oui! Je t'aime! Oh! Toi aussi tu m'aimes! Je t'aime gros comme tout l'univers. Toi et ton papa. Oui.
t'aime. Je t'aime, mon petit bébé d'amour. Oui. T'as été un champion aujourd'hui? Oui, t'as été un champion. T'as pas pleuré beaucoup. T'étais fort, fort, fort. Oui. Oui. Oh. Ah. Ah oui. Quoi? Ah. Je t'aime. Ah. Des pétés de ventre. Des pétés de ventre. Ça te fait rire. Ah. Ah. Oh. Des péteux. T'avais des péteux. Des petits péteux. Puis j'ai juste changé ta couche. Petite Anna. Petite Anna. Tu fais des beaux sourires, mon amour. Ah. Ah. On dit allô ou non? Tu parles plus? Tu parles plus, mon amour? Tu regardes la caméra? Regardez-le qui regarde la caméra. Ah oui? C'est toi. Donc voilà nos choses pour faire nos tacos. Donc comme j'avais dit, c'est de la dinde hachée. Donc c'est moins... La tortilla, c'est très gros, on va le couper en deux. Parce qu'on a pris les tortillas comme ça, la laitue, du fromage. Puis ça, c'est une salsa maison Company Estée. Ça sent vraiment bon. Je vais juste vous conclure le vlog. Il est pas très tard, mais 9h16. Mais je vais probablement éditer le vlog d'aujourd'hui, genre maintenant, pour vous le mettre en ligne demain. Oh, j'ai deux réveils. C'est... On dirait qu'il regarde la caméra. Ok. C'est ça. Ok, attends de réveiller, me regarde. Donc, je vais vous dire bonne nuit. Les tacos, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon, hein, Anthony? Ouais, c'était super bon. Puis, j'ai fait faire développer des photos au Costco qui ont été développées. Ils m'ont dit, genre, c'était prête. Aujourd'hui, j'ai reçu le courriel, mais on était partis. J'étais un petit peu frustrée parce que j'ai pas pu les prendre. Mais j'ai acheté ces cordes-là. Ils vont être placés comme ça ici, mais espacés. Donc, tu sais, pas collé comme ça, mais c'est juste pour vous montrer la forme. C'est les cordes du Dollarama. Donc, ils étaient 3$ eux, puis 2$ eux, je pense. Bon, j'allais m'occuper de Jaden, mais j'ai fait développer des photos de mariage. Bon, Anthony a pris Jaden pour aller changer sa couche. Donc, c'est ça, fait que ça va être là. Mais là, je pensais, ici, comme il y a le truc des changeurs d'heure. Puis la lumière, ben, désolée, c'est un petit peu flou parce qu'il n'y a pas grand lumière. Oh, mon petit loup. OK, il n'y a pas grand chose, tu sais, qu'on peut mettre. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il va y avoir comme un petit meuble ici, là. Mais je pense que je vais faire un genre de mur de plusieurs cadres différents, là. Tu sais, des petits cadres. En tout cas, je pense bien. Donc, c'est ça. Bonne nuit, tout le monde.